Oui, bonjour, bonjour. Moi, c'est l'homme métissé, l'homme de région. Je m'interroge sur plusieurs points, notamment sur l'attitude du père et grand-frère Longuet-Longuet, qui, je crois, jusqu'ici n'a pas fait de sortie par rapport au deuil de son petit et de son fils Cabrel. Vous savez, on peut avoir des différends avec le vivant, mais quand ce dernier est mort, on n'a pas de haine ou de rancune envers un cadavre. Donc, nous avons souhaité vraiment qu'il fasse une sortie, même si c'est maintenant, c'est pas trop tard, et qu'il parle à la famille, qu'il parle à la jeunesse avec un enseignement de pardon. Parce que nous vous regardons, nous vous observons, et quand vous ne prêchez pas par l'exemplarité, à un moment, ça devient comme nous avons l'impression que nous avons plus des paroliers que des pratiquants. Donc, il faut vraiment que Longuet cherche vraiment à arranger ce petit souci-là. S'il est vraiment le libérateur, l'ambassadeur des causes perdues, il doit vraiment prêcher par l'exemplarité en parlant à la jeunesse, en montrant l'exemplarité à la jeunesse, le pardon, l'amour, la fraternité, pour faire comprendre que vanité des vanités, tout est vanité. J'aimerais aussi. Et un autre point d'interrogation, c'est au niveau de l'organisation des obsèques de notre frère Samy. Nous avons vu une mobilisation autour du feu Cabrel. Et nous espérons aussi que les blogueurs, les influenceurs, les musiciens, les comédiens, tous aussi vont se mobiliser autour du deuil de Samy. Sinon, si ce n'est pas le cas, nous risquerons de voir comme si, vous comprenez un peu, ça va susciter beaucoup de points d'interrogation. Donc, je pense que nous devons vraiment veiller à cela parce que, vous savez, les Camerounais sont devenus tellement intelligents qu'un petit mouvement ne saurait passer inaperçu. Vraiment, merci à vous. Condoléances encore et un bravo à toute l'organisation des obsèques de Cabrel. Vraiment. Ça, c'était très beau et vraiment nous sommes très contents de que vous nous montrez que vous n'êtes pas seulement des gens qui sont dans le virtuel, mais vous êtes aussi réels et vous avez des cœurs comme nous tous. Vraiment, merci à vous et que Dieu continue à vous fortifier. Merci, beaucoup de courage. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la toile en ce moment, beaucoup de choses qui se disent. Pour moi, le plus dur est passé. Donc, le reste, c'est juste des juments à encaisser, ce que je suis en train de faire. Je vais seulement encaisser. Et je vais recommencer le travail parce que je ne peux pas abandonner juste pour lui. Juste pour sa mémoire, je ne peux pas abandonner. Je vais recommencer le travail parce qu'à la base, je suis là pour faire rire. C'est ce que j'aime faire, c'est ça que moi j'aime faire. J'aime faire rire les gens. J'aime faire. Je suis créateur de contenu vidéo web. Et que je fais rire. Donc, je veux recommencer à produire du contenu pour faire rire. J'espère avoir vos encouragements. Même si vous m'insultez, mais si encouragez-moi. Si tu vois, tu ris. Like quand même. Avant de m'insulter après. Comme j'ai dit au début de la vidéo, le plus dur est passé. On va faire ce que. On avait commencé avec le vieux. On va continuer ce qu'on avait commencé avec le vieux du vent de Cabrel. Donc, je remercie tous ceux qui me soutiennent. Je remercie aussi ceux qui m'insultent. Parce qu'en m'insultant là, ça m'aide, ça me fortifie. Je remercie aussi les traîtres qui sont autour de moi, qui font comme si c'était avec moi, qui sont pas avec moi. Ils me vendent en cachette, c'est eux qui portent mes trucs. Partie de nos gens pour utiliser ça contre moi. Les traits de mon statut WhatsApp, je vous dis merci aussi. Comment on appelle les gens là en français? Non. Les indiques. Les indiques de mon répertoire, je vous dis merci. Continuez. Moi, je parle plus de personne, je ne suis pas là pour faire la guerre. Il n'y a que Dieu et moi qui savons ce que moi je ressens au fond de moi. Laisse-toi en rester, mais le reste, moi, je continue à faire mon travail. Je vais continuer à faire les vidéos. Comme Cabo disait souvent, travaillons ces éléments. Travaillons ces éléments. Le reste va se faire. On ne parle pas de n'importe qui. Je ne sais pas si vous avez vu
Un enfant s'est arrêté sur un arbre qui n'a pas de fruits pour jeter les pierres. Jamais. On l'appelle toujours un arbre fruitier. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à Afrique Nature. Comme vous le savez bien, je communique uniquement pour les entreprises reconnues par le gouvernement camerounais. Afrique Nature est cette entreprise qui a été mise sur pied pour éradiquer vos problèmes de maladies, les maladies qui vous dérangent au quotidien. Si vous avez des problèmes de paludisme ou de fièvre typhoïde, encore appelée typhoïde, contactez rapidement Afrique Nature. Il vous propose un produit comme Artemis pour éradiquer à ce mal-là. Ultra Power qui permet de détoxifier l'organisme en général. Force naturelle favorise la circulation sanguine. Surtout, permet de nettoyer les reins afin d'être viril. Au lit. Urine qui détruit toutes les infections urinaires. Dentiste qui est la solution efficace pour tous vos problèmes de dents, c'est-à-dire qu'il soigne vos mal des dents sans toutefois arracher vos dents. Je rappelle qu'Afrique Nature ne soigne pas toutes les maladies comme les autres naturopathes. Ils sont spécialisés seulement dans les 5 maladies que vous avez citées là. La particularité de Afrique Nature est qu'ils n'achètent pas les produits ailleurs pour vous revendre. Ils fabriquent leurs produits dans leur usine même. Afrique Nature est située à Yaoundé au niveau de Santa Barbara. Appelez ces numéros pour avoir plus d'informations. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.